Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans un couvent de Chartreux, une vingtaine de moines se rassemblent pour chanter les premières vêpres de Saint Bruno, leur fondateur. Derrière de grands livres qu'on appelle les antiphonaires, retentit un chant mélodieux. Quand tout à coup, l'un de Chartreux se trompe. Il chante le mi au lieu du fa. Et voilà une fâcheuse dissonance. Il ne se rend même pas compte de son erreur, contrairement à son voisin. Et celui-ci est le frère chantre. Lui, il a plutôt l'oreille juste. C'est toujours lui, pense le frère chantre, la tête dans les nuages. Mais enfin, ce n'est pas si grave que cela. Il y a à présent tant de calamités, beaucoup plus graves sur la terre. Un synode sur la famille qui se prépare. L'an suivant, la même situation se reproduit. Le frère chantre s'irrite, il heurte du coude le frère distrait, pour finir en haussant les épaules. Un an plus tard, en la fête de Saint-Bruno, au premier vêpre, de nouveau, la même erreur et le même frère. Mais cette fois-ci, le cri « ça suffit » remplit toute l'église et le lourd antiphonaire atterrit sur la tête du moine peu doué. On devine qui a perdu la patience. Je vous exhorte à mener une vie digne de la vocation que vous avez reçue. Avec patience, supportez-vous les uns les autres. Apparemment, notre impatient frère chantre n'a pas bien suivi cette lecture venant de l'épître de ce dimanche. Chers fidèles, pour tous ceux qui ont parfois du mal à garder son calme, nous allons traiter justement de la patience. Et pour cela, nous allons puiser dans la spiritualité de Sainte Catherine de Sienne. Elle nous indiquera juste deux points. D'abord, quels sont les principaux fruits, les principaux avantages de la patience? Et deuxièmement, comment pourrions-nous l'acquérir? Pour les fruits de la patience, bornons-nous-en juste à trois. Le premier, c'est la possession de soi. Avec la patience, écrit Sainte Catherine à l'un de ses disciples, dans la mer orageuse des fatigues sans nombre, l'homme se repose. Prenons l'exemple d'un sous-marin. Quand la tempête se déchaîne sur la mer, le sous-marin ne reste pas longtemps sur la surface de l'eau. C'est trop dangereux. Que fait-il alors? Il descend en profondeur et là, il trouve le calme serein. De même, avec la patience, dit le père Garrigou-Lagrange, l'âme se possède au-dessus des fluctuations de la sensibilité déprimée par la tristesse. Mais la patience fait beaucoup plus que de nous établir dans la paix. Elle nous maintient actifs, entreprenant pour le bien. Et voilà notre sous-marin nommé Patience passe à l'attaque. Il lance ses torpilles. Cette vertu est douée de longue persévérance, écrit notre sainte dominicaine. Pour aucune fatigue, elle ne retourne la tête en arrière. La patience est une reine qui réside sur un roc inébranlable. Elle est toujours
victorieuse, jamais vaincue. Et parmi tous les avantages, n'omettons pas celui qui vise notre prochain. La patience, toujours notre sainte siennoise, la patience est un soleil dont les rayons brûlent et consument la haine dans le cœur des méchants. Rappelons-nous les paroles de saint Étienne qui lapidait des Juifs, priait Dieu non de le venger, mais de faire grâce à ses ennemis. Seigneur, ne les rendez pas responsables de ma mort. Et cette prière appela la grâce sur l'âme de Saul, qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient le premier martyr. La patience de saint Étienne a désarmé la haine de futur saint Paul. Après avoir présenté les trois fruits de la patience, qu'elle nous établit dans la paix, qu'elle nous maintient actifs pour le bien et qu'elle désarme les violents, il nous reste seulement de cueillir ces trois fruits. De même, ils ne tomberont pas dans nos mains. Trois fruits, trois méthodes de cueillette. Le premier moyen est de considérer la patience de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Verbe s'est rendu visible pour nous donner l'exemple des vertus que nous devons pratiquer. Et que fait-on dans les grandes usines, par exemple celles qui construisent des voitures, avant de lancer une production en série? On prépare un prototype, un modèle type, d'après lequel toutes les autres voitures seront faites. De même, si nous voulons arriver au ciel, à notre but, nous devons ressembler le plus fidèlement possible à notre modèle, à notre Sauveur. Et pour la patience, c'est dans sa passion que Jésus-Christ nous a donné le plus magnifique exemple de cette vertu. Ô doux amour Jésus, on reconnaît la voix de sainte Catherine, vous avez supporté les peines, les opprobres, les outrages, liés, battus, flagellés, cloués à la croix, dévorés par la soif. Et vous avez tout souffert avec patience. Sa patience fut si grande, écrit ailleurs notre sainte, qu'on ne l'entendait jamais se plaindre. Les Juifs criaient « Crucifiez-le !» et lui disaient « Père, pardonnez à ceux qui me crucifient, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Après la pensée, vient le tour à l'action. Car nombreux sont ceux qui se contentent seulement de regarder notre Seigneur, mais ne veulent pas monter à sa suite vers le calvaire. Et quant à la patience, il faut y monter. Il faut gravir ses degrés. Regardons d'abord tout en haut, vers le degré le plus élevé, car si l'on veut gravir une montagne, il faut premièrement regarder vers le sommet, là où l'on va. Et après seulement, on fait le premier pas. Patience parfaite, qu'est-ce que c'est? C'est de tout supporter du prochain. Supporter comment? Avec joie. Et pourquoi? Pour le salut de son âme et pour l'arracher au péché. Voyons comment sainte Catherine elle-même s'éleva à ce degré. Il y avait à Sienne une femme nommée Andrea. Elle était atteinte
d'un cancer à la poitrine, et le mal qui l'a dévoré répandait une si affreuse odeur que personne ne pourrait en approcher sans se boucher les narines. Aussi ne trouvait-elle personne pour la soigner. Catherine la prit et se dévoua à Andrea. Elle essuyait la plaie, la pansait avec soin, sans la moindre répugnance. Cependant, la malade, devenue orgueilleuse de ses soins, accabla d'injures sa bienfaitrice, la calomnia et l'outragea. Catherine en ressent le chagrin, mais elle ne néglige pas pour cela sa malade. Elle la sert au contraire avec plus de zèle et d'attention qu'auparavant. Et la force de sa patience finit par vaincre la méchanceté d'Andrea. Quand celui-ci voit Catherine entourée des rayons d'une grande lumière, visage semblable à un ange. Elle reconnaît sa faute, en demande pardon en pleurant, rétracte ses calomnies et meurt enfin dans la paix. Voici le sommet de notre montagne, s'offrir à Dieu avec joie pour notre prochain, prêt à toutes les calamités. Maintenant, il nous reste seulement de faire le premier pas, c'est de supporter avec égalité d'âme les maux qui nous viennent du prochain. On rencontre une contrariété de notre prochain, mais on n'y succombe pas. Il y en a qui se montrent forts et patients dans les dangers, dans les travaux pénibles, dans la souffrance physique, et qu'ils ne puissent supporter sans impatience et sans colère une contradiction ou une humiliation. Nous sommes tous un peu comme cela. En quoi consiste donc concrètement le premier pas pour être patient? Voici juste quelques conseils. Cher patron, corrigez s'il le faut vos employés, mais seulement quand vous serez un peu plus calme, quand l'orage va passer. Le miel vaut souvent mieux que le vinaigre. La même chose les professeurs vis-à-vis de leurs élèves. Chers époux et chers fiancés, si vous voulez être écoutés par votre chère moitié, faites d'abord un effort de l'écouter. Et il se peut que l'autre ait raison et vous, non. Et surtout, ne prenez pas de décisions importantes quand vos nerfs sont en ébullition. Chers enfants, chers adolescents, ne rendez jamais le mal pour le mal. Si vous voulez vous venger d'une manière la plus efficace, laissez la vengeance au bon Dieu. Lui, il saura bien patienter. Il nous reste encore un moyen, après le regard sur notre Seigneur, après le premier pas, ce moyen, c'est la prière. Voici l'une de nombreuses prières pour obtenir la patience. Elle vient de l'imitation de Jésus-Christ. Que votre grâce, Seigneur, me rende possible ce qui me paraît impossible par les forces de la nature. Vous savez que je ne puis que peu souffrir et que l'assaut de la plus légère adversité a vite fait de m'abattre. Que la tribulation me devienne, pour l'amour de votre nom, un exercice aimable et désirable, car la souffrance et les peines supportées pour vous sont grandement salutaires à l'âme.
Que le cœur immaculé nous y aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.